j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si vous entendez ma petite filleule pleurer, c'est parce qu'elle veut que je revienne. Mais je suis montée dans ma chambre pour faire l'intro. Donc mes amours, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va vers la vidéo tant attendue de tout le monde et surtout de Lilou et Swan. C'est un Yes Ma Challenge. Les amours, vous arrêtez pas de nous demander un Yes Man Challenge. On vient de revenir de Bucarest. Du coup aujourd'hui on va partir à Bruxelles, parce que comme vous le savez, on vous l'a déjà dit, on n'a pas de passe sanitaire. Du coup on est des pestiférés en France. On part à Bruxelles et du coup on s'est dit pourquoi pas faire un Yes Man Challenge pour Lilou et Swan, pour leur faire plaisir avant la rentrée. Et c'est ce qu'on va faire. Par contre, le Yes Man Challenge est dur quand on arrive dans la voiture. C'est obligé. Vu que là on est déjà ouais, mais bon, dans la route. Ouais, bon après c'est eux qui décident. J'aurais pas posé de limite, mais il faut quand même qu'ils restent dans la limite du raisonnable. Pas dans l'abus. La limite du raisonnable. Pas dans l'abus. Elle est là où il y a Jésus. Donc mes amours, bah voilà, préparez-vous à tout. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez demandé. J'ai du mal à parler, je suis malade. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous auriez demandé à vos parents si jamais vous aviez le droit à un Yes Man Challenge pendant une journée. N'oublie pas de liker, de commenter la vidéo. Et puis tout de suite, on se retrouve en Bruxelles. En Bruxelles. On se retrouve en shoot Bruxelles. Bye. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bisous. Un bisou. Non. Ok. On a le premier souhait de Lilou et Swan. Et ce sera de... C'est l'escape room. Voilà, ils veulent trop aller à un escape game qui se situe du coup en Belgique. Ils avaient déjà été une fois, mais moi j'étais au coiffeur, j'avais pas pu aller. Et là en fait c'est un escape game qui se déroule dans une banque. Là en fait c'est le but de l'escape game, c'est de... J'ai lu le résumé, je suis très bien informée. Vas-y. En gros c'est de... Je sais plus, j'ai l'Alzheimer, c'est vrai. Ah non c'est bon, je sais. Sortir de la poire qui est une banque. Non, c'est en fait... on va être dans une pièce et il faudra élaborer un plan pour ressortir de la banque avec le bulletin avant que les polices arrivent. Ok. Et oui, la dernière fois on avait fait Man Piece et voilà. Ah, bon, c'est bon, et on est en monte d'un cran. Man Piece. Oh mes amours, du coup on va aller faire ça. Je vais essayer de choper quelques images, mais je sais que là-bas, on dirait ma queue. Elle est fine, on dirait une queue de... Vous voyez les David Roquette là? David Croquette là. La queue de David Croquette dans les trucs de western. J'essaie de choper quelques images, mais je sais qu'on n'a pas le droit de filmer là-bas. Genre à chaque fois il pète un câble, donc on verra. Mais en tout cas, c'est le souhait de Lilou et Swan, on respecte, on va à l'escape game. Monsieur il est trop content parce qu'il adore les escape games. On va où? L'escape game. Ah non, clic. L'escape game. Les amours, ils ont décidé qu'on devait manger au quick, on sait même pas s'il va avoir un quick. Je crois. Juste à côté de l'escape game, il y a un quick. Ah bon, bon la gare. Bah ouais. On y a mangé la dernière fois. Ok, moi je vais prendre un giant normal avec des nuggets et des frites. Ouais, ok, c'est vous qui déciderez ce qu'on prend. Il n'y a pas plus énervant comme gamine. Ah là là, elle fait une alarme maison. Une alarme maison. Papa, est-ce que j'ai juste profité que tu peux me prendre ton pote? C'est quoi le choix? Le train hissé à destination Anvers et Essen de 15h24. Voici pour faire de hissé train. Ah, la G24, la menteuse.
j'adore ça. Du coup, vous allez choisir quoi? Pendant la semaine, je veux que... Alors, maman, est-ce que je peux choisir tous les menus à part lui de soigne du coup? Non. Bah... Ouais, vous choisissez à tous deux, quoi. Tous les menus! À part le tien. Tous les menus! Vous deux, vous choisissez pour moi et papa, comme vous avez prévu. Tous les menus, allez. Donne-leur un petit truc. Ça va, faut pas amuser. Donne-leur un petit truc. Lilou, t'as pris un menu Giant, c'est pour qui? Non, mais 4 du coup, toi, c'est bizarre. Non, c'est pour lui, un maxi. Mais là, tu prends quoi là? Je choisis pour maman, pour Sohan. Oui, c'est deep. Mais on n'aura pas le temps de manger tout ça, par contre, faites attention. Hein. On peut encore revenir après. Non, je ne pas. Il y avait de la sauce cocktail, voilà, c'est bon, pour moi, les amours de la cocktail. Eh, mais qu'est-ce que vous faites, eh, 4? Abuse pas. Pour moi. Et ça c'est que pour Swan et Lilou, franchement. Non, mais attends. Faut qu'on a le temps de manger. Par deux contre. Chicken dick pour 4, plus une chicken dick. Non. Par contre, fais en fonction de ce que vous allez consommer, abusez pas quand même. Escape game, malheureusement on pouvait pas filmer, c'était impossible, genre ils entendent tout, ils voient tout, mais c'était trop bien. Et du coup maintenant on va faire quoi? Snack. Y a pas de snack, j'ai pas vu de snack. Bah on y va, bah on va quand. Est-ce qu'on peut prendre un porte? Ah non. J'entends pas la réponse. Et un sac de wings. J'entends pas la réponse. Mmh. Oui. Merci. Mais ça mange, genre elle a pris plus grand. Je même pas assez de money. Regarde le Tu prends lui? Oui. Swan, c'est bon. Non, ça ne regarde, un petit peu comme ça. Non, papa. Non. Merci, hein. Si, c'est oui. Je prends celui-là. Oh, il est bon. C'est bon? Je vais accrocher à mon. Parce qu'on peut aller au bubble tea. T'aimes pas, toi? Non. Mais j'ai quand même une tête comme ça. Mes amours, maintenant, elle va aller à la. Il y a une boutique ici à Bruxelles, Bubble Tea Room. Par contre, c'est pas normal que c'est moi qui dis merci alors que c'est toi qui viens de me raqueter. Mes amours, on voulait même pas de bubble tea, elle nous a obligés à en prendre. C'est pas vrai. Et Swan, lui, il voulait rien. Tu voudras peut-être. Comme d'hab, il veut jamais rien, lui. Maman, on va faire comme un TikToker. Swan, tu veux pas un truc à manger? On fait quoi maintenant? On va à la FNAC. Enfin, d'abord, on peut aller à la FNAC. D'abord, quelqu'un peut regarder il y a combien de temps de route à la FNAC? Je sais même pas s'il y a une FNAC ici. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous êtes... On va mettre dans Oise et on va regarder. Bah ouais, on est obligé. Non, c'est faux. Allez! Mes amours, j'étais en train de marcher. Il marche sur ma basket. J'ai failli tomber et il veut pas me refaire mon lacet. Je veux me refaire mon lacet, s'il te plaît. Ah. Swan, vas-y, s'il te plaît. Je t'ordonne de le faire. Allez, je te fais ton lacet. Allez! T'es obligé de filmer. Voilà, je te fais que des copains, un lacet de gamin. Regardez mes lacets, mes chéris. Je suis derrière et je vais en première place. Non, mais t'as rêvé, toi. J'entends pas là. Non, mais ça a abusé. J'entends pas là. Vas-y, c'est bon, vas-y, fais derrière. Voilà. C'est agréable d'être derrière.
Mes amours, là, du coup, on a trouvé une Fnac à 8 minutes. Du coup, on a repris la voiture, on va à la Fnac. Mais pourquoi, en fait, pourquoi vous voulez à la Fnac? Parce que à la Fnac, il y a des trucs. Il y a quoi? Des trucs électroniques, très bien. Oh. Il est tout sale, le Poppy. Il te fait voir où, Swan? Là. Qu'est-ce que t'as dit, c'est? C'est honteux. C'est honteux. Il l'avait mis à l'envers, cet arnaqueur. Bah ouais. Oh, ça tombe, c'est de la merde de chien. Je vais te jouer des doigts. Par contre, t'as pas pris le bon accent. C'est honteux. Ça tombe, c'est du caca de chien, Swan. Regardez, mes amis, il est en train de mettre ses doigts dans de la merde. Sans Swan. Sans. Ils sont pas la merde. Ah bah c'est pas de la merde alors. Je laverai en rentrant. Voilà. On va prendre le bain à Baby Yoda. T'as pas vu la merde. Rentrez dans la fenêtre, c'est pas votre carte bleue. Ah oui. Comment ça? C'est interdit ici. Il a dit carton bleu. Je vais faire la gold. Non, mais dans tous les cas, je vais beaucoup dépenser. Ouais, ouais, ouais. Je veux notre gold. Non, mais. Par contre, je vous préviens, c'est vous qui payez. Mais je pense, là, il y a manque de respect. Même pas un merci. On leur donne une carte gold, ils savent même pas c'est quoi. Pas de merci. Et ils disent même pas un merci. Quand t'as un thug, tu dis pas merci. Mangez-les. Moi, je vais pas y aller. Je sens qu'on a besoin d'un panier, je le sens. Les deux là, ils sont mignons. Le petit panda et Alice. Cette année, mais t'as vu? Non, c'est pas bon. Ah, c'est le. Oh! C'est le Poppy. C'est celui qui sent les pieds. Est-ce que je peux avoir cette petite agrafeuse de chat? Je ne crois pas. Oui? Ensuite. Un nouveau rayon plein de passion. Maman, allez, on peut aller quelque part. Est-ce que je peux avoir cette petite agrafeuse? Maman, est-ce que je peux prendre cette porte? Oui. Merci. Mais attends, moi je puis-je prendre cette porte, maman chérie d'amour? Ah ouais, mais oui. C'est trop sourd, mais j'aime pas trop. Bon, bah, on va figurine de château. Oui, oui, oui. Moi, je t'aime, maman, tu sais ça. J'hésite à la prendre, elle est pas très bien faite. Non, 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 tu prends les deux parce qu'elle a pris deux trucs. Bah ouais, tu peux. Après, qu'est-ce que je vais prendre? Attends, hein, je regarde un peu. Est-ce que je peux prendre cet agenda? Oui. Quoi? Écoute ça. Mais. Oh, vas-y, on sort de la Fnac. Non, moi aussi. Oh, attends, maman, on a retrouvé le soutif de la madame. Ah, madame là-bas. Mm-hmm. Est-ce que je peux prendre elle? Et j'enlève une filigrane, une pop. J'ai pas la prendre. Ouais. Oh, ouais. Faut demander à quelqu'un du magasin. Maman. Attends, on va demander.
Bon mes amours, du coup voilà le butin pour la Fnac. Maintenant on va continuer notre tour. C'est pas fini chacun. Non mais on va continuer notre tour, mais j'ai trop mal aux pieds genre. C'est pas grave, tu vas quand même marcher. C'est grave ceux qui font de l'équitation, ils caressent comme ça. Allez petit tonnerre. Allez. Oh, regarde, un panier de pique-nique. Oh, regarde là. Là genre il nous a ramené dans un magasin de jouets. Saloulou, elle doit kiffer. C'est des il est trop mal au pied. Elle doit kiffer Saloulou. C'est des fruits que tu coupes en deux, tu as une petite. Ah ça je l'ai vu sur TikTok. Sur Tok Tok. Tok Tok, des fois on quitte de maquillage. Ah ouais, y'en a, il faut de la SMR avec ça, genre. Mais chérie, comme ma fille, elle kiffe trop mon make-up, elle fait que de me piquer et tout. Je vais lui acheter ça. Genre des trucs en bois. Tu me dis non ? Ah, mais ça, ouais, ça c'est utile. Le make-up, c'est toujours utile. Voilà, petite voiture pour un où on pousse avec les pieds. La petite voiture qu'on pousse avec les pieds. On peut aller à Royal Donuts. Allez, on sort du magasin. Je peux les prendre ou pas? Oh, attends, là je suis sous. Oui. Est-ce qu'on peut aller à Royal Donuts? Demande à papa un peu. Non, j'entends pas, non, je comprends pas. Papa, est-ce qu'on peut aller à Royal Donuts? Oui. Ouais. Oh waouh, c'est trop beau par contre. Wow. Ils sont hyper mal polis les musiques qui m'ont. C'est Skyrock mon grand. Non, mais je suis t'as pas tort. Bon mes amours, du coup là, regardez ce ici, franchement si vous venez à Bruxelles, mais venez, c'est trop beau. Regardez les boîtes, mais montre la boîte Lilou. Regardez les boîtes, elles sont canon. Et à l'intérieur, on a choisi ces donuts là. Donc il y a Kinder King, Kinder Pingouin, Kinder Country, fraises et chocolat blanc. À l'intérieur, ils sont fourrés au Nutella et tout. Et en plus, on a pris des petites seringues comme ça. Et en fait, là c'est Bueno et là c'est Nutella. Et vous injectez soit dans votre donut, soit au-dessus et tout. C'est soit trop dans votre bien. Bouche, directement. Ce que je veux faire d'ailleurs. Mais c'est pas pour mettre dans ta bouche, Lilou. Voilà, c'est la technique barbare. Il va. Faut le tourner, non? Ah, c'est bon. Ouais. C'est bon? Mes amours, du coup, Lilou, elle nous a ramené ici. Enfin, vous voyez pas, mais genre là, il y a un. Elle nous a ramené où? Elle nous a ramené dans un resto japonais. On n'a jamais été, on l'a trouvé sur internet. Donc, Lilou, elle se prend pour une japonaise. Elle veut que se nourrir de trucs du Japon. Non, c'est juste le meilleur. Surtout que je suis en train de savourer ma chips. Lilou, elle nous a autorisé à boire du champagne. Pardon, j'ai chaud. Pourquoi c'est toujours les papas qui s'attendent? Oh! Ah
Attends, mais moi aussi je vais avoir une stèle comme ça, mais ça marche pas. Oh. On a pas le même level. Non, non, c'est pour moi. Mais c'est mon deuxième level, il va être pour Bruno. C'est pour maman, pour maman. Toi, vas-y, non, vas-y. Maman, t'inquiète, t'inquiète. En fait, c'est quand même un peu bah, pas moi. Moi. Ah, j'aurais jamais pensé me dire cette phrase. J'adore me prendre des boudins dans l'œil. C'est tout chaud, c'est agréable. Des morceaux, des débris d'œil, tout visqueux dans l'œil. C'est agréable. Tout chaud, tout visqueux. Bon, mes amours, comme vous le voyez, on est le lendemain de la vidéo. J'ai pas pu terminer. Puisqu'en fait, quand on est rentré, il faisait trop noir, tout simplement. Du coup, on est le lendemain. Je termine cette petite vidéo pour pas vous laisser comme ça. J'espère que ça vous aura plu. On espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un like, un petit commentaire, je vous y réponds. Ça fait toujours trop plaisir. Puis abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te mets mon compte Instagram juste ici si jamais tu veux nous suivre plus en profondeur, mais je crois que ça se dit pas. Mais bref, si tu veux être avec nous tous les jours, parce qu'on est tous les jours sur Instagram. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'est bientôt la rentrée. Du coup, je vous fais plein de vidéos sur ce thème. Je fais plein de gros bisous et je vous aime très fort. Mouah. Et puis merci d'avoir regardé ma vidéo. Ça fait trop plaisir. Merci d'être là. Bisous.